Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour d'un Jeu un peu particulier puisque j'ai pas vraiment eu le temps de le finir et je ne prendrai pas vraiment le temps de le finir, donc du coup je vais vous laisser avec cet épisode un peu pas fini, mais ça reste quand même un épisode d'Autour d'un Jeu où je découvre un petit peu Dungeons the Dark Lord et je vais vous laisser tout de suite sur l'épisode. Bon visionnage à tous. Marc. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Autour d'un Jeu, une soirée avec Vanguaard. Les deux qualificatifs s'y appliquent. C'est d'un côté une découverte et de l'autre côté c'est possible que ça soit le début d'une nouvelle série. Je ne sais pas encore. J'ai fait déjà un petit tour dans les options. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire enfin de la synchronisation verticale. Sinon à part ça, il n'y a pas trop grand chose. À part, c'est vrai que mon jeu est encore en anglais, mais c'est une de mes volontés d'y jouer en anglais. Pourquoi pas se faire le petit tutoriel que je vais couper au montage et qui sera disponible bien entendu en bonus à la fin. F3 ça monte F4. Ça remet en mode normal. Blablabla. Blablabla. Le contrôle de la caméra. Ouais, mais moi je préfère me tourner avec WASD. Ah, c'est super, quand on zoome, le son monte. Wouhou! Ça tourne, normal, ça doit être voilà. Q et E qui font exactement la même chose. Avec Space, on voit de dessus. Yeah, c'est cool. Toi, amène-toi là. Voilà, blablabla. Bla. Je peux lui éclater la tronche. Voilà, donc est-ce que j'ai le droit de le bouffer ou un truc comme ça? Hop, hop, hop. Ouais, c'est ça. Ok. Interagis avec ça. Voilà, donc toi tu t'es fait avoir comme un boulet. J'ai une minimap, normale. Amène-toi là. Amène-toi là. Ok. Rien n'affiche de tout ça. Ça ressemble très vaguement à Dungeon Keeper, mais en contrôlant plus un héros. Je sais pas ce que je fais, mais je me casse. Escape from the dungeon, ok. Ok. Ouais, d'accord. Mana, vie. Éclater ta tronche. Petit zoom parce que c'est cool. Ah ouais, comme ça quoi. Mini baffe et tu crèves. Ok, normal. Pareil. Voilà, il s'est même pas défendu. Gros boulet. Bon, moi je veux jouer avec des trucs qui me permettent de construire des donjons et des machins et tout ça. Ah ouais, ça y est, lui il réagit un petit peu. Et s'il va pas me faire une aura ou un machin comme ça, non en fait. Ouais. Open your attribute window. Ah cool. Oui, mais elle est où cette fenêtre? Ah bah ça c'est cool. Tiens, si j'interagis avec ça, qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Par contre, si je vais là... Ok... peux pas genre ouvrir la fenêtre directement, non. Alors, la force, l'agilité, l'intelligence, la constitution. Oui, c'est pas là. Ça, c'est la map en grand. Ça, c'est zoom plus, zoom moins du truc. Ah, bah voilà. Donc, c'est C comme d'habitude. Vas-y, deviens plus fort. Deviens encore plus fort. Peut-être deviens encore plus fort. Non. Deviens plus agile. Puis deviens plus fort et deviens plus constitué. Parfait. Ah oui, mais j'ai pas de pognon, je peux pas le... Ah ben... Ok, donc c'est ça, c'est ce qu'elle me dit que je peux pas le faire parce que... Ah bah si. Bon. J'ai pas de pognon, mais c'est pas grave parce que c'est un tutoriel. Vas-y, zoom. Sors du truc qui ressemble à du poison. Ah bah, déjà défoncé. Hop, on avance. Ok. Ok, donc les... Ah bah voilà, c'est grimoire. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas fermer cette fenêtre, je peux fermer cette fenêtre magique. Alors, attaque combo, ça c'est cool. Ouais. Allez. Pourquoi pas. Non. Non. Allez. Voilà. Ce serait bien que je puisse le déplacer, genre... Je ne peux pas le déplacer genre ici. Par contre, ça, je peux le déplacer là. Nickel. Hop, allez, on avance, petite Calypso. Je peux pas défoncer ça. Je ne peux pas défoncer ça. Par contre, je peux défoncer ça, mais je peux aussi le rater avec mes éclairs. Parce que bon, tant qu'à faire, si on réussit Tiou à tous les coups, c'est vachement moins drôle. Allez, paf dans ta tronche. Et puis ça serait bien qu'il se finisse un jour ce tutoriel aussi. Pas ça commence à devenir ennuyeux, mais bon, presque quand même. Hein. Il y a un truc avec un pentagramme là. Un machin qui ressemble à un Dark Lord. Paf dans ta tronche. Pas paf dans ta tronche. Pas paf dans ta tronche. Paf, c'est pas ouvert. Et ben on utilise le levier qu'il y a ici qui bizarrement a l'air d'être bien. Yeah. Pognon. Donc ça, on défonce sa tronche à lui. C'était rapide. Ok, donc il y a l'autoloot. On peut ouvrir ça aussi ici. Je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à refermer la salle, normal. Si on va voir par ici, ça a l'air d'être la même chose. Ça, l'énergie, super. Je peux le bouffer? Vas-y, paf sa tronche. Ah, paf, voilà. Gros paf. Yeah. Ok, donc ça je récupère de la soul energy qui me permet ensuite de faire des trucs avec d'autres machins. Si je vais dessus là. Ok. Intéressant. Ok. Si je fais ça, c'est quoi? Machin, machin. Là, ils ont une data. Ouais, aucun intérêt apparemment. Quest log, bah, je le vois bien. Est-ce que je peux... Ouais, ça c'est pas forcément la super bonne idée du jour. Quoique, je lui fais plus de mal qu'il ne me fait. C'est peut-être effectivement pas la bonne idée du jour, mais ça fonctionne quand même. Voilà, on va mettre en mode auto-attaque. Donc j'espère que ça auto-caste les trucs, mais ça n'apparemment pas... Alors ça n'a pas l'air d'être la barre de vie de ma héros, peut-être, si. Peut-être. C'est pas super clair. Ok, donc nous on se casse. Ce tutoriel était pas très utile, j'aurais mieux fait de le sauter. Ok, continue. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Ah bah super. Ça rappelle vraiment Dungeon Keeper. Mais vraiment, vraiment. Un Dungeon Heart et tout ça, c'est... Ça ressemble excessivement. Ok, donc oui, c'est... En haut de l'écran... Je vais avoir sûrement des petits minions quelque part. Top left corner, ok, donc c'est là. 750, donc ça c'est bon. 1 sur 2, c'est quoi ça? C'est des gobelins, donc j'ai un gobelin. Ah. Bon. Ok. Ouais. Est-ce que je peux miner? Ok. Et une granite. Voilà. Normal. C'est hyper Dungeon Keeper-esque. Mon gobelin. Ah non, ça c'est des crânes, donc ce n'est pas un gobelin. Donc ça c'est une prison, normale. Bon, oui, cette saleté de gobelin. Bon, en même temps, on s'en fout. Par contre, il faudrait que je retrouve où est cette saleté de pognon. Est-ce que là... peut-être du pognon, ça? Bon, map. C'est donc ici le pognon. Donc c'est effectivement ce truc qui a l'air un petit peu différent. On va tenter, hein. On va faire miner ça. Le gobelin arrive, on va faire un méga zoom. Et hypersing. Et est-ce qu'il ramène du bon pognon tout bon? Il ramène du bon pognon. Ça, c'est cool. Ensuite, j'imagine qu'il va falloir que je chope un portail. On n'aurait pas déjà ça percé quelque part. C'est vraiment hyper Dungeon Keeper. Là c'est le moment où je me dis qu'en fait il faudrait que je rajoute un petit bout de Dungeon Keeper dans tout ça, histoire de montrer que c'est vraiment très Dungeon Keeper. Mais je crains que la non facilité de filmage de Dungeon Keeper m'empêche de montrer le grand parallèle entre ces deux jeux. Oh, ça met une éternité quand on a qu'un seul gobelin, là. C'est quoi? J'ai un quoi? Mon monster level, ok. Hero level, on s'en fout. Là, c'est quoi? Prestige, soul energy. Pognon. Pognon. J'avais déjà un tas d'or, mais qui ne compte pas. Ouais. Allez, blabla. Ok, donc c'est... c'est ça, classique. C'est ultra Dungeon Keeper. Voilà, j'ai créé un nouveau goblin. Ah. C'est exactement Dungeon Keeper. Ouais. C'est pas du tout comme Dungeon Keeper. Je construis un treasure chest. Alors déjà ça serait bien que ça dégage. Donc il faut que je construise un treasure... build a treasure pile. Bah c'est un peu ce que je suis en train de faire là. À part si je peux créer quelque part... avec un de mes sorts, téléporte Dungeon Heart, summon goblin, fin sight, convert pentagramme. Ouais, non, non, non plus, non plus, donc c'est ça, donc en fait j'ai pas hyper le choix. Heroes and goblin, heroes lui. Chasing a cheeky goblin. Qu'est-ce qu'il fait John le pour? Il fait n'importe quoi et il a foutu des trucs bizarres. Need and resistance. Ouais. Il a peur de ses pauvres... Ah non, c'est bon, il aime bien ça. Non, je ne peux pas le contrôler. Non, toi, ramène-toi ici. Alors là, malheureusement, on n'entend pas sa voix, mais il est en train de se foutre de la tronche de tous les RPG qui existent. C'est assez marrant. Alors lui, il est content des trucs qu'il trouve, quoi. Il a vu une lampe moche, et il aime ça. On dirait Facebook, quoi. Là, c'est Open Facebook. Mais je suis en train de créer une pile de trésors, mais je... Ah, mais si, si, d'accord. Alors, il est où, ce héros débile? On va créer un truc débile... là. Ok, d'accord. Ok, donc du coup, il faut que je le crée avant. Qu'est-ce qu'il est dans lui? Alors lui, c'est pareil, il veut du trésor. Lui, il veut du trésor. Alors, il veut fight. Alors toi, la réponse est... Ouais... Ok, d'accord. Donc... toi, on va là... et du coup, on ramasse sa soul energy, c'est ça? J'ai pas très bien suivi en fait le process, mais je crois que c'est ça. Peut-être dû lire ce qu'elle disait. Ouais. Ok. Ok. Ok, donc en fait c'est... Ah, c'est bien foutu ce truc là. Donc lui, hop, il va aller pourrir là-bas. Et je vais récupérer sa soul energy. En même temps, c'est pas hyper pratique puisqu'il faut se rendre compte que... Ok, donc il faut que je fasse ça. Voilà. Ok. Et là, on comprend pourquoi tout le monde fait du post-commentary sur ce genre de vidéo. Oui, mais encore. Ah oui, d'accord. Si je fais table, je vois... Ok, d'accord. Donc toi, amène-toi ici. Construire un prestige gimmick. C'est quoi le moins cher? Hop. Ok, super. Ah, il faut que je... Ah bah dis donc. Il faut que j'en construise des... Plein des trucs comme ça. Ah oui, j'ai plus de soul energy, donc il faut que j'attende. Déjà que je retrouve où est... ma nana. Ok, elle est là. Elle remballe toute seule apparemment, ça c'est cool. Donc là je vais défoncer le héros. Avec un peu de chance je peux peut-être construire une prison de plus. Et comme ça ils vont le transporter, ils vont aller le faire pourrir là-dedans. Très bien. Donc comme ça je vais récupérer du soul energy. Parfait, donc s'il pourrit dans la prison, est-ce qu'il pourrit bien dans la prison? Apparemment non. J'ai dû la construire juste trop tard par rapport à ce qu'il fallait. Donc lui, il aime bien ce truc-là, c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est parfait, c'est fabuleux, c'est tout ce qu'on veut. Une prestige gimmick, on va foutre ça là. En même temps, il va se faire défracter la tronche dans pas très longtemps, celui-là. Voilà. Cours, jeune fille. Paf. Paf. Voilà. Remballe. Toi, fais-toi traîner ici. Je suis à 49 sur 52 de prestige. On va construire encore une prison de plus. Là. Est-ce que je peux en coller une là? Non, bien sûr, parce que j'ai mal calculé mon coût. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Il est où le héros qui était rentré tout à l'heure? Ah, il est là, il est en train d'admirer mes bidules. Vas-y, admire ça. Saleté. Hop, hop, hop. Là, cet enregistrement est plus aussi un test d'un autre système d'enregistrement que j'utilise plus que vraiment le test qui va sortir... directement. Toi, remballe. Ah, 49 de prestige. Il faut que je construise encore d'autres machins. Je construirais bien ce truc-là. Allez, veuillez extraire l'énergie qui reste dans les héros, s'il vous plaît. Il est recommandé d'extraire l'énergie des héros. Parfait. Posez ça là. Voilà. Just like an armory can have no more than one interaction gimmick. Heroes need this gimmick to be able to interact with a room. If such a gimmick is not, I will now lay the foundation for a room. Ok, bah déjà va le défoncer lui. Donc, a prison armory, blablabla. Ouais. Armory, need for equipment. Nanana. Ok, donc il faut que je construise un truc pour l'armurerie, c'est ça? Et bah pourquoi on ne la construirait pas là? Non. Armory, c'est ça. Weapon crate. Et on va poser ça ici. Ça m'a coûté un quart de demi-bras. Calypso remballe au bercail. Et elle pourrait apparaître, mes caisses d'armure. Un jour là. Où ça m'a juste coûté 75 pognons pour rien. Comment je peux tourner ce truc? J'aimerais bien tourner l'endroit où ça interagit. Comme ça, parfait. Hop. Voilà. Ok, donc après on met des capacity gimmicks. Donc là je peux mettre des caisses. Un efficiency gimmick. Ok. Ah oui, donc en fait c'est pas si simple que ça tout ce bazar. Ok. Ok, il faut que je défonce lui aussi en passant. Voilà, crève. C'est bien, donc les gobelins le rappellent quand c'est le bordel et qu'on a oublié de faire des trucs avec des héros. Vas-y, remballe, cher ami. Ok, donc il faut que j'aille interagir moi-même avec le portail. Ah d'accord, donc il y a carrément un petit compteur dessus qui me dit quand est-ce que ça va... Le prochain va pop. Ok, donc ça ressemble à Dungeon Keeper sur les rooms. Ok, ça ressemble, mais ça ressemble pas en fait. C'est... Expand your dungeon. Lui, il est content. Bon, en fait, je pourrais creuser une salle ici. Puis une entrée là. Puis une entrée là. Et une entrée là. Et lui, il va crever dans pas longtemps. Voilà. Crève. Lui devrait arriver dans pas très longtemps. Là, il y en a un qui... Ok, donc le petit coup de corps, il y en a un qui arrive. Lui crève. Voilà, remballe. Donc c'est Dungeon Keeper, mais du point de vue d'être plus ou moins le seul héros en fait. On est le héros et on attire des aventuriers et on les défonce leur tronche. Hop, constitution. Hop. Voilà. Ok. Ok, donc ça déjà, on va faire ça. Ouais, mais pourquoi je peux pas valider mes points? Là, ça pas... Ah si, ça a validé les points. Ok, ça valide quand on quitte. Donc toi, crève. Alors, toi, tu vas crever aussi sur le chemin, sûrement. Effectivement. Alors, Crève, crève. J'aurais peut-être pas dû mettre ça si proche de l'entrée. C'est pas forcément effectivement une bonne idée. Ça c'est quoi? Stairway down. Je pense que c'est le truc que je vais visiter à la fin. Donc toi, amène-toi là. Alors lui il reste un peu d'énergie, ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. J'ai l'impression que ces trucs ne servent à rien. Crève. Ouais, et vu comment j'ai placé mon armurerie en fait, je défonce les deux en même temps plus ou moins. 20 secondes, 6 secondes... Effectivement, c'est pas optimal. Occupé. Vous pouvez miner plus vite aussi, ça serait bien. Ok, donc on annule comme ça aussi. Ah, t'es parti automatiquement toi. Ah non. Ah oui, donc c'est fermé en même temps, donc Zuzi explique cela. Remballe. J'ai clairement pas assez de gobelins. Allez, on se magne. Donc du coup, librairie c'est ici, il me faut un truc de capacité. Non, il me faut un truc d'interaction en premier. Donc il faut un gadget d'interaction. Voilà, un gadget de capacité. Et un gadget d'efficacité. Et donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Crève. Ah, toi tu vas crever aussi dans... Ah mais ils s'équipent trop vite ceux-là. Ah, lui il va crever dans le... dans la bataille aussi pendant que celui-là va crever. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je commence à avoir un peu de soul energy. Donc en même temps ça prévient pas quand on... buff. Prestige modifier, donc on va monter la force, la constitution, l'agilité. J'ai plus de points donc c'est très bien. Toi remballe. Cette librairie est très bien, d'ailleurs il faut que j'aille ouvrir le portail pour la librairie. Donc du coup en même temps lui il va crever. Attends une seconde qu'il s'équipe. Voilà, crève. Voilà. Tu crèves. Tu crèves. Et tu vas ouvrir ici. Et tu remballes. Ouais, je sais que j'ai ouvert une Heroes Entrance. C'est facile. Et encore un autre est arrivé. Le petit passage là, ça serait bien de l'ouvrir un jour pour eux. C'est marrant, c'est un peu un crossover entre du, effectivement, du Dungeon Keeper, du Tower Defense. C'est vraiment, c'est étonnant. Je sais pas si j'apprécie, mais en tout cas, c'est étonnant. Facebook pour héros, quoi. C'est particulièrement ridicule. Bon, on crève dans tout ça, hein, on n'a pas la semaine. Donc il y a un magicien qui a dû rentrer, lui il veut une librairie occulte. Donc, toi tu crèves, parfait. Ah non, crève quand même. Voilà. Toi tu crèves, si tu pouvais venir crever un petit peu plus par là, s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc toi tu remballes. C'est bien, donc toi tu viens visiter la librairie. Ils sont bien ces héros en fait, ils viennent par ici. Ça c'est un escalier qui monte, là-bas c'est un escalier qui descend. Donc après les escaliers qui descendent, fatalement il y a les escaliers qui montent. Hein. Hop. Ok. Eh ben écoute, on va descendre. Hop. Voilà. Amène-toi. Super, il a essayé de faire une boule de feu. The fail. C'est mignon ces trucs qui tournent autour pour le brouillard de guerre et indiquer la... Blablabla, blablabla. Continue. Et en fait... Voilà, Wandering Monster, ouais. Ouais. Ok. On va regarder ça plus tard.